Donc, la soirée était organisée par le groupe La Sociale de la Fédération Narcisse. Et donc, l'objectif, c'est évidemment de véhiculer les idées et pratiques de l'anarchisme. Donc, on a mis plusieurs moyens à notre disposition. Donc, le plus important, le plus intéressant, c'est le local, effectivement, où on tient donc une réunion syndicale toutes les semaines, le mercredi soir. On anime deux permanences, le mercredi et le samedi, de 14h à 18h, donc avec bibliothèque, librairie, et puis espace de discussion aussi. Il n'y a pas une grosse affluence, mais enfin, il y a des fois, on arrive à 8-10 personnes quand même dans l'après-midi, avec parfois des discussions qui peuvent durer une heure et demie, deux heures. Il y a un peu de tout public. On a peut-être en majorité les jeunes, lycéens, étudiants, mais pas seulement. Voilà, donc sinon on y fait aussi donc le premier mercredi du mois généralement, c'est pas hyper régulier, mais surtout depuis 2 ans avec le Covid on était pas mal bousculés. Donc on y fait ce qu'on appelle les causeries populaires, c'est-à-dire une intervention, comme celle de François ce soir là, soit avec une introduction de quelqu'un du groupe. On espère aussi, on essaye aussi d'impliquer les sympathisants, parce qu'on a une liste de sympathisants. Pour que ce ne soit pas toujours le groupe, il y a des gens qui ont des compétences que nous on n'a pas. Donc sur un thème donné, c'est-à-dire sur un bouquin, sur un thème, il y a une introduction, un quart d'heure, 1 minute, 1 demi-heure, et puis une discussion après qui peut durer parfois 1 heure et demie, 2 heures, voire plus. On a déjà des débats qui ont duré jusqu'à minuit. Le samedi après-midi, il nous arrive aussi d'inviter, c'est souvent quelqu'un de la Fédération Anarchiste, mais pas seulement. Donc une animation également. Et puis on fait aussi les réunions publiques, mais là, bien sûr, depuis 2 ans, c'est très difficile. On en fait 2, 3, 4 par an. On loue une salle à cette occasion. On vend Le Monde Libertaire, donc, qui est le mensuel de la Fédération Narcisse, qui était autrefois hebdomadaire, malheureusement. Il est devenu mensuel, on espère qu'il redeviendra un jour hebdomadaire, à la place d'Élie Sarraine. Voilà, pour les activités. Et puis donc, c'est dans ce cadre-là donc qu'on a invité François, François Granet, qui est biophysicien, travaille au CNRS, et donc on l'a invité 2 fois l'an dernier, je crois, et donc ça a été remis comme d'autres personnes qu'on avait invitées aussi. Et donc là, ce soir, ça va pouvoir se faire. Donc voilà, je vais lui passer la parole. Ben effectivement, moi je suis très content qu'on puisse faire ça en se voyant physiquement, même si on a des masques. Voilà. C'est un plaisir d'être là. Je vais me présenter un petit peu peut-être avant d'expliquer de quoi je vais parler. De toute façon, je vais essayer de faire court pour qu'on ait beaucoup, surtout du temps pour discuter. Déjà, qui je suis? Moi je suis chercheur au CNRS, donc en recherche publique, dans un laboratoire qui s'appelle Matière et Système Complexe à l'Université de Paris. Mais là, ce que je vais discuter ce soir, c'est beaucoup des réflexions personnelles. Donc ça n'engage pas du tout mon employeur. Hein, c'est issu de mon expérience professionnelle, mais ce n'est pas directement lié à mon travail. Alors c'est des réflexions qui viennent de deux choses différentes. La première, c'est d'un travail sur la question de l'origine du virus, du Covid-19, et plus précisément, pas tellement l'origine du virus, mais le débat autour de l'origine du virus, et c'est ça, comment il a été mené dans la communauté scientifique, et les problèmes que ça a posé. Et donc je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et ça, c'était des questions que je me suis posées suite à un texte qui était paru sur un site grenoblois qui s'appelle Pièces et Main-d'œuvre, et qui interpellait sur le fait que l'origine du virus n'était pas naturelle, pouvait être liée à une fuite de laboratoire. Et donc, à force que ça travaille là-dessus, je vais expliquer comment. Au printemps, les animateurs du site Pièces et Manœuvres m'ont dit « Bon, ben voilà, c'est le moment de tirer les leçons un petit peu de tout ça. » Et est-ce qu'on peut reposer la question d'Alexandre Grothendieck, qui était un mathématicien qui, vers 1971-72, a mené une critique de la recherche et a posé la question « Devons-nous arrêter la recherche ? Allons-nous continuer la recherche scientifique ? Quelle est l'utilité de la recherche ?»
Donc, c'est cette question que Pièce et Manœuvre m'a posée, sur laquelle j'ai travaillé, essayé de travailler cet été. J'ai pondu deux textes. Donc, un sur le débat scientifique autour de l'origine du virus et quel problème ça pose. Et le deuxième sur quelles leçons on peut tirer en ce moment sur la finalité de la recherche scientifique. Voilà, donc c'est surtout cette deuxième partie que je vais présenter ce soir. Je dirai un petit mot de la première. Donc en gros, l'idée, c'est de remettre au goût du jour 50 ans après, puisque ça fait 50 ans maintenant, Bretton Geek, sa question et voir si elle est toujours d'actualité. Voilà, pour mettre le cadre, la question sur l'origine du virus, je voudrais juste dire que moi, je fais partie d'un groupe de scientifiques qui ont essayé de maintenir le débat ouvert. Voilà, de dire que la communauté scientifique avait verrouillé trop tôt, avait trop tôt dit que l'origine était nécessairement entièrement naturelle, alors que dans le public, il y avait beaucoup d'interrogations et les deux hypothèses, hypothèse naturelle ou liée à un incident de recherche, ces deux hypothèses se trouvaient dans couramment discutées. Et donc, on s'est aperçu avec un certain nombre de scientifiques virologues et non-virologues hein, de différents domaines, un groupe très interdisciplinaire et très international, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune raison de favoriser une hypothèse plutôt que l'autre a priori, et que ça posait un vrai problème d'utiliser des arguments d'autorité pour dire c'est comme si et pas comme ça. Donc on a publié des lettres ouvertes, on a essayé de faire bouger un peu le milieu scientifique, comme on a pu, et même aussi d'interpeller l'Organisation mondiale de la santé et d'autres, jusqu'à ce qu'on arrive effectivement à publier dans certains journaux que toutes les hypothèses devaient être maintenues. Et maintenant, au moins il y a un débat actuellement dans les revues, même si il y a toujours une opinion dominante dans le milieu scientifique, le débat existe réellement. Voilà. Donc ça c'est pour mettre le cadre. Alors, je commence si vous avez des questions ou si vous voulez des remarques, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des informations depuis que tu as écrit cet article-là concernant l'origine Est-ce qu'il y a eu des informations qui auraient tendance à emmener plus vers une hypothèse plutôt que vers... Alors, je dirais qu'on est toujours dans le même statut, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve, ni d'un sens ni dans l'autre. Et qu'il continue à y avoir des informations qui s'accumulent. Beaucoup d'informations sont souvent à double sens, c'est-à-dire compatibles avec une hypothèse ou compatibles avec l'autre. Et même si des gens essaient de la tirer d'un côté ou de la tirer de l'autre, le statut du débat est toujours exactement aussi ouvert que, effectivement, le texte date de fin septembre. Et de ce point de vue-là, le statut est le même. Voilà. Non, il n'y a pas de différence de fond. Une question qui me vient comme ça, est-ce qu'il y a une distinction chez Bretton Geek aussi qui est fait entre technologie et science? Je ne sais pas s'il faut que je rentre dans les détails là-dessus, parce que je ne suis pas toujours à l'aise avec les manières dont la question est posée. Je pense qu'il y a chez Bretton Geek, et en tout cas dans ce que je vais développer, le fait qu'il y a de toute façon une grande continuité entre la recherche dite fondamentale, la recherche dite appliquée. Je peux donner ma définition à moi, disons. Pour moi, une recherche fondamentale, c'est une recherche où la personne qui la lance a dans l'idée, sa motivation principale est de répondre à une question. Et la recherche appliquée, c'est quand la personne principale a comme motivation principale de résoudre un problème pratique ou de répondre à une application pratique. Mais ça, c'est donc uniquement basé sur la motivation. Les faits, ce qui se déroule, la manière dont la recherche se déroule, c'est absolument indiscernable. C'est-à-dire que je ne sais pas faire la... Et en général, les deux sont mélangés, les deux motivations sont mélangées, très souvent, et la manière dont la recherche est faite est très... Alors évidemment, quand vous êtes dans un département recherche et développement d'une entreprise, très souvent c'est beaucoup plus orienté, appliqué, mais il y a souvent des résultats fondamentaux qui ressortent, et réciproquement, il y a beaucoup de recherches fondamentales dont on ne prévoit pas d'application et qui va donner des applications. Donc c'est pour ça que ni sur le déroulement de la recherche, ni sur les résultats, on ne peut pas faire de séparation entre recherche fondamentale et appliquée. Alors après, la question entre science et technologie, c'est le débat est un petit peu le même, en fait, à mon sens. Mais bon, ça, c'est une position personnelle. Je sais qu'il y a des gens qui ont étudié, y compris du point de vue philosophique, cette question-là, beaucoup plus en détail que moi. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est d'après mon expérience personnelle, la seule différence, vraiment, c'est la motivation. Voilà. Et ça ne se voit pas de l'extérieur. Voilà. Et de plus en plus, de toute façon, les financements sont couplés. C'est-à-dire qu'on peut, dans beaucoup de cas, on ne peut demander un financement de recherche fondamentale que si on est lié avec une entreprise, par exemple.
des choses comme ça. Et les corrélations entre la recherche et l'armement, par exemple. Alors ça, je vais rentrer là-dedans. Je vais prendre du temps là-dessus. Oui. Ce que tu disais, du coup, sur le débat scientifique sur l'origine du virus, est-ce qu'il n'y a pas un décalage ou une séparation à faire entre les débats scientifiques dans les revues scientifiques officielles, dans le petit milieu des scientifiques, et ce qu'on en voit dans ce qui en sort pour le grand public? Parce que j'ai l'impression, par exemple, sur l'origine du virus, il y a quand même eu assez vite différentes voies, en tout cas de ce que nous, on pouvait percevoir grand public sur l'origine du virus. Et toi, tu as l'air de dire que plutôt dans les revues scientifiques officielles, c'était pas du tout... Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Dans le grand public, il y a eu les deux hypothèses ont été considérées relativement rapidement, alors que dans les revues scientifiques, ça a été... officiel, si c'est ça que tu veux dire, établi, ça a été verrouillé. Alors, je peux rentrer dans cette historique-là, mais ce n'est pas nécessairement le sujet principal de ce soir. Je peux vous en parler pendant des heures, puisque j'ai beaucoup travaillé dessus, et que j'ai moi-même un projet de recherche sur la question d'origine du virus. Donc, voilà. Et c'est intéressant sur le décalage entre ce qui peut se faire dans le monde scientifique fermé et ce qui en sort. Oui, sauf que ça a été verrouillé dans le monde scientifique, pas par des arguments, c'est ça que je dis. L'état des connaissances il n'y a pas de preuves du tout. Donc, c'est des arguments d'autorité qui ont été mis dans la revue scientifique, alors que normalement, d'habitude, c'est l'inverse. C'est-à-dire que d'habitude, la science en train de se faire, elle est beaucoup plus floue, avec des arguments dans un sens, des arguments dans l'autre, ça se construit petit à petit, ce qui est normal. Et une fois qu'on a une connaissance établie, ça sort dans le grand public de façon beaucoup plus tranchée et simple, parce qu'il faut bien le communiquer. Et là, on est exactement dans la situation inverse. Ça a été simplifié brutalement dans le milieu scientifique. Donc j'essaie de revenir là-dessus. Par rapport aux données qui s'accumulent, dont tu parlais, on a entendu que le gouvernement chinois avait énormément effacé en fait, d'informations, ne les rendant pas accessibles, etc. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de faire la part des choses par rapport à l'origine du virus, étant donné que le foyer en fait, présumé d'origine du virus vraisemblablement présente assez peu d'informations nouvelles maintenant. Là, on s'éloigne vraiment sur l'autre sujet qui n'est pas le sujet principal. Je vais résumer en très peu de mots. Y a un très gros problème d'opacité, de dissimulation, voire de destruction des données du côté chinois. Voilà. Y a un gros, gros, gros problème de financement, et qui est largement international, et y compris américain, d'un certain type de recherche, et qui est américain et américano-chinois, mais pas que, mais très international. L'Europe est concernée aussi. Toute la communauté scientifique est concernée par ce problème-là. Et il y a une troisième chose, c'est qu'on essaie de trouver s'il y a dans la nature des virus qui pourraient avoir été à l'origine directe de celui-là. Et plus on collecte des virus, plus on en trouve. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé d'ancêtre direct qui puisse expliquer directement l'apparition de la pandémie. Donc autrement dit, pour l'instant, on a trois questions en suspens, pour résumer. Comment le virus a évolué? Il y a des virus proches chez les chauves-souris du sud-est de l'Asie. Comment est-ce que ça a évolué vers le SARS-CoV-2 tel qu'il y a actuellement? Deuxième... Bonjour. Première question, les trois questions en suspens, et après je passe à autre chose. Trois questions en suspens. Donc, comment est-ce que le virus a évolué depuis les espèces cousines qu'on trouve chez les chauves-souris jusqu'à des espèces qui peuvent être pathogéniques pour les hommes, pour les humains? Deuxième chose, comment s'est fait le transport géographique sur plus d'un millier de kilomètres, 1500 kilomètres d'une zone de grotte tropicale jusqu'à une grande métropole urbaine? Et troisième chose, comment s'est passée la première contamination d'un être humain? Et donc, dans les trois, il y a une hypothèse qui est entièrement naturelle et une hypothèse liée à un incident de recherche. Ça peut être un problème de collecte d'échantillons sur le terrain, ça peut être des problèmes liés à des expériences, à des fuites d'animaux de laboratoire, beaucoup de choses. Et donc, pour l'instant, à mon sens, toutes les hypothèses restent ouvertes. Je vais me recentrer sur le sujet qui est la question. Donc, devons-nous arrêter la recherche? Je me base sur les deux textes que j'ai écrits, qui ont été
publiés sur papier, mais qui sont disponibles en ligne sur le site de Pièces et Main-d'œuvre, si vous voulez les trouver. Alors, les motivations de faire de la recherche sont très très variées. Je pense que c'est le point de départ. Et il y a les motivations des gens qui la font, des chercheurs, disons, pour un mot pour simplifier, ce qui veut dire plein de gens, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des précaires, c'est toute une communauté qui fait la recherche, qui a ses propres motivations, et puis il y a la motivation de ceux qui financent. Et ce qui avait frappé beaucoup Gros Otendijk en 71, quand, en 72, quand il demandait à ses collègues autour d'eux pourquoi on fait de la recherche, et ses collègues ne répondaient que par leur motivation personnelle. Ah, ben ça me fait plaisir, ça m'intéresse, ça me permet d'avoir un salaire, des choses comme ça, mais jamais sur la finalité, à quoi ça sert pour la société. Alors je vais quand même rappeler les types de motivations, hein, je ne vais pas lister peut-être toutes, mais en gros, la science, c'est une très belle construction d'esprit humain, hein, très impressionnante, je peux rentrer dans les détails, mais c'est une des plus fascinantes qui soit, et qui a dépassé les frontières, hein, c'est un très bel exemple dans certains cas d'internationalisme, pas toujours. Les autres utilités en termes, on va dire, global, hein, c'est que culturellement, la science a contribué à lutter contre l'obscurantisme, à lutter contre les dogmes, à lutter contre l'autorité, hein, souvent, donc, ou la superstition. Et les gens qui font ça ont ces motivations en tête. Hein, quand ils ont aussi la demande du public pour l'amélioration du bien-être matériel, des choses comme ça. Mais aussi, les chercheurs, c'est bien le fait d'avoir un travail. Ils sont très libres, globalement. Ils sont libres de ce qu'ils font, libres de leurs horaires, libres des gens qu'ils rencontrent, qui travaillent. On peut voyager, on peut parler en public, faire des conférences, c'est très très valorisant. Voilà. On peut être cité dans des articles, on peut être invité, pour ceux qui marchent le mieux, on peut laisser son nom à quelque chose, enfin une équation, un modèle, un résultat. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont très très valorisantes, au moins pour un petit groupe. Ça, c'est ce qui attire les gens vers la recherche, évidemment, dans la réalité. La recherche est un milieu qui fonctionne avec ce qu'il est comme tout groupe humain, donc avec des points positifs et des points négatifs. Donc il y en a pour qui ceci est une réalité, et d'autres pour qui la vie est beaucoup moins rose. Ça, on le découvre une fois qu'on y est. Et effectivement, les précaires qui subissent le poids de la hiérarchie, et qui n'ont pas cette liberté, etc., et qui ont du mal à trouver un boulot, n'ont pas nécessairement le même point de vue aussi idyllique. Voilà. Bon, mais tout ça, ça nous dit pourquoi des gens ont envie, postulent, et pourquoi finalement la recherche fait partie des domaines où il y a beaucoup, beaucoup plus de candidats que de postes. Hein. C'est un domaine sous pression, hein. Pas comme l'hôpital actuellement. D'accord ? Donc, c'est un domaine attractif de ce point de vue-là, dans la fonction publique. Bon, mais pourquoi est-ce que la société... Les sociétés, enfin je vais parler de façon large, hein, je ne suis pas nécessairement dans un cas national, pourquoi est-ce que globalement on déverse annuellement, hein, pour vous donner une idée, les budgets recherche et développement, pas que recherche publique, hein, c'est de l'ordre de 600 milliards par an mondialement, de dollars ou d'euros, de tout ce que vous voulez, 600 milliards, c'est comparable aux dépenses publicitaires, et c'est à peu près un tiers des dépenses militaires. Hein, je pense que c'est trois budgets que j'aime bien garder en tête. En gros, 1800 à 2000 dollars de dépenses militaires, 600 de publicité, 600 de recherche et développement. D'accord ? Et on peut raisonner politiquement pour comprendre en quoi ces trois budgets peuvent être reliés, pas reliés. Voilà. Et justement, c'est un petit peu le sujet de la discussion d'aujourd'hui. En tout cas, j'aime bien faire la comparaison pour dire le rôle que la société assigne aux chercheurs. Pour moi, je pense à la colonisation. L'explorateur était envoyé, c'était le héros qui prenait tous les risques, qu'on envoyait, qu'on valorisait, donc, qui laissait son nom à tout ce qu'il découvrait. Et puis, pourquoi on le finançait ? Pas pour la curiosité scientifique, mais pour derrière envoyer des missionnaires, des marchands, des soldats, tout ce qu'on veut, enfin de la colonisation, quoi. D'accord ? Et donc tirer du profit. Et maintenant, il n'y a plus de terres disponibles à coloniser. La nouvelle frontière, c'est venir chercher. Voilà, le chercheur a ce rôle-là. Et derrière lui, on envoie les gens qui vont transformer ces recherches. Que ce soit le chercheur lui-même ou pas qui le fasse, globalement, le matelas de connaissances globales qui contribue à augmenter sert
de moteur pour la croissance, essentiellement. Voilà, c'est l'analyse que je fais, et je pense que, dans mes discussions avec mes collègues, je pense que je ne suis pas tellement démenti. Voilà. Donc, en gros, il y a quand même une motivation de la société. Le fait de bénéficier d'une communauté avec un esprit critique, il y a des États qui peuvent avoir envie, mais il y a des États qui n'ont pas du tout envie. Et par contre, le fait d'avoir des retombées matérielles de l'avancée des connaissances, ça, je pense qu'il y a beaucoup d'États et de financeurs privés, militaires, des fondations qui comptent là-dessus. Voilà. Est-ce que là, il y a des... je m'arrête un peu là-dessus ou pas? Ça va? J'imagine qu'il y a aussi une nécessité de contrôle pour les États, parce que l'esprit scientifique qui peut animer des particuliers peut les amener à faire des découvertes, que ce soit en termes d'énergie ou d'autres, qui, s'ils s'échappent aux États, peut être perçu comme un danger pour les États. Donc, j'imagine qu'il y a un besoin de contrôle aussi. Alors, les découvertes par les particuliers hors de la communauté scientifique sont quand même relativement rares, parce que surtout, plus ça va, plus quand même il faut un niveau de connaissance et de matériel aussi, de conditions matérielles, pour arriver à faire progresser les choses. C'est très très difficile. Ce qui a pu être possible il y a quelques siècles, de faire avancer les choses vraiment dans son coin, devient plus difficile. Objectivement, parce que il faut... La recherche, c'est comme sur les lessives, il faut toujours mettre nouveau dessus. Hein. Donc pour nouveau, si vous voulez mettre quelque chose de nouveau, il faut déjà avoir quand même assimilé l'ancien. Aussi être capable... les niches pour apporter du nouveau sont de plus en plus petites, c'est plus difficile à atteindre. Donc je connais vraiment, si je regarde historiquement, de moins en moins d'exemples de découvertes pertinentes faites par des gens qui sont hors système. Et ça, c'est pas... Je dis pas ça par mépris pour les gens hors système ou des choses comme ça, c'est juste objectivement, je constate. Et alors, puis il y a la question de la propriété intellectuelle aussi, je suppose, c'est-à-dire acheter des brevets, c'est pas n'importe qui peut en acheter, donc il y a bien accès à cette connaissance-là pour faire grossir le matelas de connaissances dont tu parlais. Tout à fait, et donc plus on est fort, qu'on soit une entreprise dans un état, plus on est fort et plus on peut produire et acheter des brevets, plus on s'assure effectivement un contrôle de ce genre de choses. J'avais à l'esprit un exemple très actuel finalement, c'est par exemple... dans le milieu de la technologie des ordinateurs, puisque technologie et science se confondent, on parle souvent d'un type qui a commencé dans un garage avec qui aujourd'hui est multimilliardaire et qui a pas mal d'argent et pas mal mêlé avec les États au niveau de la santé aussi. Je pense à Bill Gates, quoi. Donc voilà, là c'est peut-être un cas concret d'un type qui a commencé, dit-on, dans un garage et qui finit par devenir un décideur assez pesant médiatiquement. Et... Je ne connais pas assez son histoire pour savoir si effectivement il était complètement hors système au début. Il y a un film qui fait sa biographie qui est assez intéressant à voir. Typiquement, pour sortir le système d'exploitation, l'ancêtre de Windows, donc OS 2, il a volé, entre guillemets, manœuvré de façon assez intelligente pour récupérer un brevet de Xerox, par exemple. Entre autres, il a réussi à obtenir comme ça des différentes propriétés intellectuelles. Même si lui, effectivement, peut-être intellectuellement, il n'était pas complètement stupide, mais voilà, il y a matière à, en regardant ce film, par exemple. Enfin, en tout cas, la question du contrôle par les États, le fait de développer de la recherche scientifique, ça fait partie, effectivement, des volontés de puissance des États. Alors, oui. Ah oui, c'était une dernière question, du coup, pile sur ce que tu disais aussi. Moi, je suis dans l'approche écologie radicale, quoi, et du coup, l'idée de dire une croissance infinie sur une planète finie est impossible. Et je vois parfois passer des commentaires qui sont justement sur la question de la recherche, qui vont dire, en fait, une croissance matérielle est impossible, effectivement, sur une planète finie. Par contre, une croissance des connaissances serait possiblement infinie, du coup. Est-ce que toi, tu as déjà réfléchi à ça, et comment tu contrerais cet argument? Peut-être que tu le fais dans la suite de ton développement aussi. Oui, alors,
vendredi, on va parler effectivement de croissance, décroissance et recherche. Donc effectivement, on pourra être à fond sur ce thème-là si jamais tu peux revenir vendredi. Non, mais voilà. Mais globalement, je vais en parler un petit peu, oui, des questions justement de lien avec la croissance. Alors, comme toute activité, il faut des régulations. Il y a des choses qu'il faut faire et pas faire. Et la question, c'est comment est-ce qu'on définit les limites, ce qui va se faire en recherche. Il y a quand même trois types de régulations très très différentes. L'activité de recherche, pour ça, est spécifique. Il y a au moins trois types de régulations qui sont à faire. La première, c'est quelle quantité d'argent on met dedans. Voilà. Puis, en gros, combien on va mettre au total de salaire, de matériel, et donc quel budget on met. Ces 600 milliards dont je vous ai parlé résultent de milliers de décisions politiques prises par tel ou tel acteur, telle ou telle fondation, tel ou tel État. Au total, chacun a décidé combien il allait injecter d'argent dans le secteur de la recherche. Tout ça, c'est des décisions qui détermine le volume de l'activité. Ça, c'est des décisions essentiellement politiques et qui sont prises en dehors de la communauté scientifique en général, même si les scientifiques essaient d'avoir leur mot à dire et en général toujours pour monter les budgets. Est-ce que vous connaissez la part de budget public et privé ou... Oui, je l'ai pas en tête, mais oui, c'est, les chiffres sont... En France, par exemple, la recherche est beaucoup publique, c'est pas le cas nécessairement tous les pays. Il y a une question de et ça comme pour n'importe quelle activité humaine qui est soumise à un budget, ben la quantité du budget qu'on met, ça donne l'importance qu'on met à ce secteur et c'est ça qui va le réguler déjà à la base. Hein. Voilà. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a la régulation qui est spécifique à la science, qui est la régulation du contenu, c'est-à-dire on va considérer que quelque chose est un fait scientifique et qui va prendre sa place dans la science. Donc ça, c'est fait actuellement par les publications. Quand quelqu'un trouve quelque chose, eh bien, il le soumet à une revue scientifique qui va le filtrer, et plus ou moins bien, mais le filtre actuellement, c'est on fait relire par des relecteurs qui sont anonymes. Et donc, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, pas de façon injurieuse, mais ils peuvent faire toutes les critiques sur l'article. Et s'ils font trop de critiques, l'article est rejeté. S'ils font peu de critiques, les auteurs essaient de faire des corrections jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de problème et qu'on puisse publier l'article. Donc ça veut dire qu'un article scientifique, ce n'est pas quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui a passé un filtre et qui est donc, au moins provisoirement, considéré comme digne d'être publié. Voilà. C'est le fameux peer review. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle peer review, c'est la revue par les pairs. La relecture par les pairs. Donc ils sont c'est-à-dire que c'est quand même des scientifiques. Alors c'est des gens, ça peut être tes copains ou des gens vraiment pas très loin. En général, c'est des gens de la même communauté, donc très proches. La plupart des fois, le relecteur se connaît avec l'auteur. C'est pour ça que le relecteur doit être anonyme pour pouvoir. Enfin, moi, je trouve que c'est important qu'il soit anonyme pour pouvoir faire ses critiques de façon franche. Mmh. Alors encore une fois, ça ne peut jamais être injurieux. C'est toujours des critiques factuelles. Là, vous avez oublié un signe, là, vous avez oublié d'expliquer comment vous faites, là, vous ne donnez pas assez de détails, là, je pense que c'est faux, là, vous avez oublié de citer votre source, c'est des choses comme ça. Et avec ça, il y a un filtre, mais ça, c'est le premier filtre à court terme, le filtre à long terme, c'est le temps. Hein. En science, c'est le temps qui dit, en fait, si quelque chose est valable ou pas. Donc ça, c'est la régulation du contenu, et ça, c'est très spécifique de l'activité scientifique. D'accord. La troisième chose, et c'est celle-là dont je voudrais parler beaucoup, c'est le choix des pistes de recherche. C'est le choix. Une fois qu'on a une quantité d'argent donnée et qu'on a un filtre, un garde-fou, donc ça c'est en amont, et qu'en aval on a un garde-fou qui est il faut qu'on fasse des choses nouvelles et qui intéressent et qui soient correctes, d'accord ? Entre les deux, ça laisse une marge énorme pour décider où est-ce qu'on va chercher. Parce qu'encore, quand vous allez coloniser des îles, il y a un certain nombre d'îles à la surface de la Terre et puis voilà, vous avez le choix d'une île ou d'une autre. Et puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Autant en recherche, non. C'est... Alors le nombre de sujets, j'allais dire, lui, il est infini. Enfin, il est difficilement limité. Donc dans quelle orientation on va aller, c'est ça toute la question de la finalité de la recherche. Et voilà. Alors, il y a un curseur qui est très difficile à mettre entre la liberté académique et le contrôle pour ne pas faire n'importe quoi. Alors, liberté académique, parce que c'est important, les chercheurs, à la fois pour qu'ils soient motivés et pour qu'ils soient efficaces, ils ont besoin qu'on leur laisse un peu la bride sur le coup. Et c'est ça qu'on appelle la recherche fondamentale. Et en même temps, il ne faut pas faire absolument n'importe quoi. Parce que ils vont
faire des choses qui peuvent avoir des inconvénients pour la société. Et c'est là, là on est dans le cœur du sujet. Des inconvénients au sens de certains... Alors, à plein de sens différents. Justement. C'est ça que je vais essayer de développer. C'est que les inconvénients que ça... Les avantages pour la société, on en a parlé. Mmh. Les inconvénients, voilà, c'est ça que je vais essayer de développer un petit peu. Alors, il y en a de plusieurs ordres, des inconvénients. Alors, ce que... une des choses, il ne faut pas que l'activité de recherche elle-même puisse être dommageable pour la santé et pour l'environnement. Ça, c'est, en général, il y a un consensus là-dessus, à peu près. Et donc, par exemple, quand on a commencé à faire des organismes génétiquement modifiés, il y a eu une conférence, il y a des scientifiques qui sont aperçus que ça allait poser éventuellement des gros problèmes pour l'environnement, si on en relarguait. Et il y a une conférence qui s'est déroulée à Asie-le-Mar, il y a une cinquantaine d'années, pour essayer de s'auto-réguler en interne à la communauté pour décider qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et ils n'ont pas vraiment réussi, ils ont fait des recommandations un petit peu, mais ils n'ont pas réussi à avoir un cadre contraignant. Et surtout, ils n'ont pas réussi à fixer des valeurs permettant de délimiter réellement ce qui était faisable, ce qui était bénéfique et pas bénéfique. Voilà, c'était très en demi-teinte, cette conférence-là. Et pourquoi j'en parle? Parce que ça a beaucoup de résonance avec le débat actuel. Parce que ce débat sur l'origine du virus, qu'est-ce qu'il a surtout révélé? Qu'est-ce qui, pour moi, est très important? Encore une fois, je dis, il y a deux hypothèses, pas de preuves, soit une hypothèse naturelle, soit une hypothèse liée à un incident de recherche. Mais ce que ça a vraiment révélé, c'est qu'il y a des recherches qui posent des problèmes et qui sont susceptibles de créer une pandémie. C'est-à-dire que les recherches qui sont menées sont tellement proches de celles qui peuvent être susceptibles d'avoir largué le SARS-CoV-2, qu'en tout cas, on sait qu'elles sont susceptibles, qu'elles sont porteuses de risques pour une pandémie SARS-CoV-3. Et qui pourrait être encore plus grave. Parce que, on déguste avec le SARS-CoV-2, mais un virus, et s'il est à la fois très contaminant, qui se propage beaucoup, qu'il est contaminant avant que les symptômes n'arrivent, et s'il est très haut taux de mortalité, il peut faire des ravages très gros. Le SARS-CoV-2, sa propriété essentielle, surtout, c'est qu'il se propage avant qu'on ait les symptômes. C'est ça qui fait que ça nous pose tellement de problèmes dans la vie quotidienne. On ne sait pas sur quel pied danser. D'accord ? Ebola, qui est beaucoup plus mortel, les problèmes sont différents. D'accord ? Mais si vous combinez un petit peu tout ça, ben, ça pose des problèmes. Or, tout ce que ce débat depuis un an a mis à jour, c'est cette poussée de plein de chercheurs, et là, pas des savants fous isolés, mais des chercheurs institutionnels, soutenus institutionnellement, et dans le monde entier, pas qu'en Chine, et de façon concertée, font des recherches dites, alors que certains appellent recherche de gain de fonction préoccupante, en anglais les GOFROC, Gain of Function Research of Concern, qui visent à augmenter telle ou telle capacité de virus en partant de choses naturelles pour en faire quelque chose qui a des propriétés différentes. Donc ça... Et donc ça, c'est la chose numéro 1. La chose numéro 2 qui ressort, c'est que maintenant, depuis un an et demi, on ressort toutes les listes d'incidents de très très variés liés à des labos qui ont eu lieu dans le passé, dont au moins un, en 2007 en Angleterre, a été la source d'une épidémie. Hein, beaucoup se sont arrêtés très vite. Il y a eu des files de labos qui se sont arrêtés très vite. Ou alors, ça s'est beaucoup propagé, mais de choses pas très graves. Mais voilà, en 2007, il y a le labo de haute sécurité anglais a eu effectivement un problème qui a donné lieu à une épidémie. Et pour vous dire, alors on liste tout et les incidents ne datent pas que de l'histoire, hein, il y a beaucoup de choses très très récentes, 2019, 2020, 2021, en Chine, aux États-Unis, en France. En France, on a dû arrêter pendant 3 mois les recherches sur les prions à cause d'un décès. Je les lis dans mon texte, mais beaucoup de gens les listent aussi. Il y a un exemple que j'aime bien donner pour dire est-ce que les labos de haute sécurité, ces labos de niveau 4, ceux qui font les choses les plus. Qui traitent les choses les plus pathogènes, est-ce qu'ils sont à l'abri, par exemple, d'intrusion, hein, de malveillante? Eh bien, on a un exemple à Lyon, en 2016, où un sans-abri et cherchait un bâtiment pour s'abriter pour la nuit, il avait une pince coupante, il est rentré dans un bâtiment, et il ne savait pas que c'était le laboratoire lyonnais, P4, qui manipule les virus Ebola.
Donc ça vous donne... voilà. Donc tout ça pour vous dire que l'idée qu'il y a des choses dangereuses qui se font dans la recherche et qu'on n'est pas à l'abri, en risque zéro, ça, c'est une idée qui est très bien établie par ce qui s'est passé depuis un an et demi. Voilà. Et ça, ça me paraît pour moi beaucoup plus important que de savoir l'origine du virus, même si évidemment, c'est, pour moi, c'est une des raisons d'aller chercher l'origine du virus. Mais c'est des recherches qui sont censées avoir des gains. C'est quoi les objectifs de... Alors, justement, les rapports coût-bénéfices, oui. Moi, il y a quelque chose qui me questionne là, parce que il y a d'une part ces questions d'orientation des recherches, etc. Ça va avec. Ouais, mais non, mais il y a un autre truc aussi qui m'apparaît là, c'est que de toute manière, j'ai l'impression que ces laboratoires qu'on voit qui ont des systèmes.